Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, à celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue à ce rendez-vous de prière avec le pape François. Nous sommes ici à Vatican pour pouvoir commencer ce temps de prière du Regina Caeli. Nous sommes le dimanche 24 mai, dimanche de la solennité de l'Ascension du Seigneur Jésus-Christ. Une solennité qui est célébrée ce dimanche en Italie et dans d'autres pays, évidemment. Merci donc de rester avec nous alors que dans quelques instants, le Saint-Père va faire son apparition pour ce moment de prière et ce sera à partir de la bibliothèque Vatican. Nous saluons tous les téléspectateurs et auditeurs, vous tous qui nous suivez à partir de notre site vaticannews.va, mais également à vous tous qui nous suivez à partir de chaînes télévision et radio partenaires, Radio Salve Regina, Radio Présence en République centrafricaine, mais également la Radio Espérance. EWTN TV, la radio et télévision catholique Elikia à Kinshasa, et la radio Maria en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le constater sur vos écrans, la place Saint-Pierre est bondée, on peut dire, des fidèles, des mondes, comparativement à ce que nous avons pu observer ces derniers jours ou ces derniers mois. Le monde traversant cette période de la crise sanitaire, cette place était il y a peu vide. Et maintenant que diverses mesures d'assouplissement par rapport au confinement sont déjà en cours, on voit une place Saint-Pierre commencer à retrouver du monde. Donc dans quelques instants, le pape va commencer. Oggi in Italia e in altri paesi Chers frères et sœurs, celebra la bonjour. solennità dell'Ascensione del Signore. Aujourd'hui, en Tramite Italie il et dans d'autres Vangelo pays, ci nous mostra che célébrons la appunto solennité de che l'Ascension du soprattutto Seigneur. in Galilea Le sono passage molti de che Gesù aveva l'Évangile nous coinvocato. montre les apôtres rassemblés en Galilée sur la montagne Lì que Jésus leur avvenne avait l'ultimo indiqué. incontro del Signore risorto C'est con ici qu'a Giuseppe. lieu la dernière Nel rencontre du monte. Seigneur ressuscité avec le Il sien. monte ha una forte carica simbolica. La Sul monte montagne a Gesù ha une forte proclamato il charge Vangelo. symbolique et évocatrice. Sui monti si ritirava a pregare. Sur une montagne, Jésus proclame les Là accoglieva béatitudes. le folle Sur guarendo les i malati. montagnes, il se retire pour Questa volta prier. sul monte Là, il non è accueille les più il foules et maestro guérit les che malades. agisce, Mais cette insegna, fois, sur la guarisce, montagne, ce n'est plus le ma Maître qui colui agit et enseigne, risorto mais che c'est chiede ai lui, discepoli di le agire ressuscité, e di qui annunciare, demande aux disciples affidando a d'agir et de loro il proclamer, mandato di d'annoncer continuare la l'Évangile en sua leur opera. confiant le mandat de poursuivre son Li œuvre. investe della missione presso tutte le genti. Il les investit de la mission Gli auprès de dice, tous les peuples, andate dunque, leur disant: fate discepoli Allez donc tutti, et faites de battezzandoli toutes les nel nome nations del des Padre, del disciples, Figlio e dello Spirito les Santo, baptisant au nom du insegnando Père, du loro Fils et du a Saint-Esprit, osservare tutto ciò et leur che vi apprenant ho à comandato. observer tout ce que je vous ai prescrit. I contenuti della missione affidata agli apostoli Les contenus de sono la questi: mission confiée aux annunciare, apôtres sont les suivants: battezzare, annoncer, insegnare, baptiser, enseigner, camminare sulla via à tracciata marcher dal sur les Maestro, chemins tracés par cioè le Maître, il Vangelo vivo. c'est-à-dire l'Évangile E vivant. questo messaggio di salvezza Ce implica message prima di de tutto il salut dovere della implique avant tout testimonianza. le devoir de Senza témoignage. testimonianza non si può annunciare. Sans témoignage, il n'y a pas Alla quale d'annonce testimonianza anche de noi, l'Évangile. discepoli di oggi, siamo chiamati per rendere Ce ragione témoignage della nostra auquel nous fede. aussi, disciples Di d'aujourd'hui, sommes fronte a un appelés à compito rendre così compte de notre impegnativo foi. e pensando alle nostre debolezze,
Face à une tâche aussi exigeante et en pensant à nos faiblesses, nous nous sentons inadéquats comme l'ont sûrement ressenti les apôtres eux-mêmes. Mais ne nous décourageons pas en nous rappelant les paroles que Jésus leur a adressées avant de monter au ciel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse assure la présence constante et consolante de Jésus parmi nous. Mais de quelle manière cette présence est-elle réalisée? Par son Esprit, qui conduit l'Église à parcourir l'histoire comme les compagnons de tout homme. Cet Esprit, envoyé par le Père et le Fils, opère la rémission des péchés et sanctifie tous ceux qui, repentis, s'ouvrent avec confiance à son don. Avec la promesse de rester avec nous jusqu'à la fin des temps, Jésus inaugure le style de sa présence dans le monde en tant que ressuscité. Jésus est ressuscité et est présent dans le monde, mais dans un autre style, le style du ressuscité, une présence qui se révèle dans la parole, dans les sacrements, dans l'action constante et intérieure de l'Esprit-Saint, la fête de l'Ascension nous dit que Jésus, bien qu'il soit monté au ciel pour demeurer glorieusement à la droite du Père, est toujours et encore parmi nous. De là viennent notre force, notre persévérance et notre joie. La Vierge Marie nous accompagne. Que la Vierge Marie nous accompagne dans ce voyage avec sa protection maternelle. D'elle, nous apprenons la douceur et le courage d'être les témoins dans le monde du Seigneur ressuscité. Resurrexit sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia. Deus qui per resurrezione fili tui Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questum superius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et nunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina. Unis spirituellement avec les fidèles catholiques de Chine qui célèbrent aujourd'hui avec une dévotion particulière la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, secours des chrétiens et patronne de la Chine, vénérée dans le sanctuaire de Shishan à Shanghai. Nous confions à la direction et à la protection de notre Mère du Ciel, les pasteurs et les fidèles de l'Église catholique dans ce grand pays, afin qu'ils soient forts dans la foi et fermes dans l'union fraternelle, témoins joyeux et promoteurs de la charité et de l'espérance. Chers frères et sœurs catholiques en Chine, je tiens à vous assurer que l'Église universelle dont vous faites partie intégrante partage vos espoirs
et vous soutient dans vos épreuves de la vie. Elle vous accompagne par la prière pour une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, afin que la lumière et la beauté de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de tous les croyants, brille en vous. En vous exprimant une nouvelle fois ma grande et sincère affection, je vous donne une bénédiction spéciale afin que la Sainte Vierge vous protège toujours. Enfin, nous confions à l'intercession de Marie Auxiliatrice tous les disciples du Seigneur et toutes les personnes de bonne volonté qui, en ce temps difficile, dans toutes les parties du monde, travaillent avec passion et engagement pour la paix, pour le dialogue entre les nations, pour le service des pauvres, pour le soin de la création et la victoire de l'humanité sur toute la maladie du corps, du cœur et de l'âme. Aujourd'hui est la Journée mondiale des communications sociales, placée cette année sous le thème de la narration. Oui, cet événement nous encourage à raconter et à partager des histoires constructives qui nous aident à comprendre que nous faisons tous partie d'une histoire plus grande que nous-mêmes et que nous pouvons envisager l'avenir avec espoir si nous nous soucions vraiment les uns des autres en tant que frères et sœurs. Aujourd'hui, en cette fête de Marie Auxiliatrice, je donne ma salutation aux Salésiens et Salésiennes. La formation spirituelle que j'ai reçue des fils de Don Bosco. Je me rappelle de la formation spirituelle reçue des enfants de Saint Don Bosco, Jean Bosco. Aujourd'hui, j'étais censé aller à Acerra pour soutenir la foi de cette population et l'engagement de ceux qui travaillent pour contrer le drame de la population, de la pollution dans ces terres de feu. Ma visite a été reportée, mais j'envoie mes salutations, ma bénédiction et mes encouragements à l'évêque, aux prêtres, aux familles, à toute la communauté diocésaine, en espérant nous rencontrer le plus tôt possible. Aujourd'hui également, c'est le 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si, dans lequel on a cherché à attirer l'attention sur l'appel des pauvres. Merci pour le dicastère du développement humain intégral. La semaine Laudato Si que nous venons à peine de célébrer inaugure une année spéciale pour Laudato Si. Du 24 mai de cette année jusqu'au 24 mai de l'année prochaine, j'invite toutes les personnes de bonne volonté à prendre soin de la maison commune et aux frères et sœurs fragiles. Sur le site a été publiée la prière dédiée pour cette année. C'est bien de la prier. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner. Nous venons là de suivre la prière mariale du Regina Coeli, prononcée par le pape François dans la bibliothèque vaticane. Nous sommes au Vatican en ce dimanche de la solennité de la fête de
l'Ascension du Seigneur, une fête célébrée dimanche, aujourd'hui donc, en Italie et dans d'autres pays. Nous pouvons entendre les applaudissements des fidèles qui se sont réunis place Saint-Pierre, ils ne sont pas encore nombreux, suite aux mesures de restriction liées à la crise sanitaire, la COVID-19. Mais on peut bien voir que la vie commence à reprendre petit à petit. Le Saint-Père va apparaître d'un moment à l'autre à la fenêtre des appartements pontificaux. Une tradition, on peut dire, puisque depuis le moment où il préside les différentes occasions de prière ou d'audience à partir de la bibliothèque apostolique, il fait un passage à la fenêtre ici pour saluer les fidèles qui le suivaient à partir des moyens de communication sociale. Et maintenant, c'est avec quelques personnes, comme on le voit, que le Saint-Père va saluer la ville et le monde et ainsi accorder une fois de plus sa bénédiction. Tout à l'heure, dans son exhortation qui avait précédé la prière du Regina Caeli, le Saint-Père est revenu sur le texte liturgique de la solennité de l'Ascension du Seigneur. Texte qui relatait la rencontre des disciples, les apôtres qui se rassemblaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Et donc le Saint-Père a développé son exhortation, sa méditation autour de, notamment du thème de la montagne. La montagne a une forte charge symbolique évocatrice, avait-il dit. Le voilà apparaître sous les applaudissements des fidèles, de quelques fidèles qui, en effet, représentent le désir de tous les fidèles du monde à se retrouver à nouveau ici sur la place Saint-Pierre et continuer cette communion spirituelle qui a été plus ou moins physiquement interrompue suite à la crise de la COVID-19. Et nous espérons que nous sommes en train d'en sortir victorieusement par la force de la grâce et des différentes recherches pour obtenir un résultat qui va mettre un terme à ce thème tant débattu. Merci à vous tous, merci à vous toutes qui nous avez suivis, qui êtes restés avec nous et participés d'une manière ou d'une autre à ce moment de prière mariale du Regina Caeli. Salutations à vous tous et toutes qui nous avez suivis à partir de Vatican News, Radio Salve Regina, Radio Présence en Centrafrique, Radio Espérance, IWTN TV, la Radio Télévision Catholique Elika à Kinshasa et la Radio Maria en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous nous séparons. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.